rentrer la caillou pour cinquième et dernière sortie fenêtre culturelle, amis téléspectateurs. Bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le numéro ça. Mais quelques petites nappes pour nous partager avec vous. Date 10 mai 2019 là marqué commémoration abolition esclavage dans ancienne colonie française yo. Pour occasion ça, yon esquilte haïtien offri dans ville Bordeaux yon statue qui représentait yon esclave. Zelsa installé sous place que Louis 18 dans cadre yon cérémonie qui déroulé vendredi 10 mai. On met ensemble contre maladie endométriose, c'est en baptême ça yon gros rassemblement programmé pour samedi 11 mai dans Pétionville. Activité ça a fait sous initiative ancienne Miss Vidéo Max là, Sylvie Jean dans objectif pour sensibiliser femmes haïtiennes yo sous danger maladie ça représenté dans la vie yo. Séance casting pour postulant concours Miss Haïti yo qui tombe depuis quelques semaines après poursuivre dans tout pays ya. Après Okaï et Jacmel, opération yo pral déroulé dans plusieurs autres villes dans pays ya, tant que Port-au-Prince à Cap Haïtien. C'est quelques petites et plusieurs autres encore n'a pas pour nous développer pour mais qui t'en observer première pause nous. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer Nat, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. Nat, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec Nat, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus Nat, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. Nat fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme Nat, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. Nat, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits Nat sont disponibles partout en Haïti. Je fais musique depuis 47 ans. Je fais toujours la souci pour m'offrir ce qui est plus bon. Depuis tout le temps, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec Frémio. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons même. Et puis tout, chaque note moins composée, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste pour nous continuer à battre tout ça moins gagné en dedans pour nous. Nous retournons après pause là, amis téléspectateurs. Merci pour fidélité avec attention. Ancienne Miss Vidéo Max Sylvie Jean Lavallée a annoncé un gros rassemblement samedi 11 mai sous place Saint-Pierre dans Pétionville. En baptême, on met ensemble contre maladie endométriose. Activité ça entraîne un cadre personnage public ça a mené contre maladie chronique ça qui éliminé pouvoir faire petite la caille en pile forme. Un reportage qui signé Fedline Saïd Toussaint et puis Lydie Dieudonné. Rassemblement ça pour organiser nos objectifs pour sensibiliser puis encourager les femmes haïtiennes yo pour aller faire dépistage pour être capable de détecter maladie à bonnet si toutefois li nan yo. Dans ce sens ça, Sylvie invite tout le monde, femmes en particulier, vienne participer dans rassemblement ça qu'a fait sous place Saint-Pierre pour augmenter impact initiative là. Une sorte de rassemblement pour maladie contre maladie plutôt endométriose. Et m'a réalisé pour sensibiliser jeunes femmes haïtiennes pour yo dépister bonheur pour yo prendre bonheur pour contre maladie ça al dépister al faire ça bonheur parce que moi découvri à l'âge de 30 ans les besoins contre ti moun et que c'est à ce moment-là yo dit que me souffrir donc si me te connais bien avant ou gen doit malade ou pas même connais sou malade et pas quitter moun a dit nous c'est frédu ou bien c'est moun qui fait nous mal donc si nous avons une douleur, c'est un symptôme qui est alarmé en maladie. C'est une douleur lorsqu'il y a une règle abondante. Donc, pas négliger ça. Alka gynécologue bonheur. Après 8 fausses couches, dans l'espace 6 l'année, il décide de lancer le tout bon dans la bataille contre la maladie. Ça. C'est pour ça, après rassemblement, il compte organiser l'autre activité pour créer une association en Haïti
pour goûter contre maladie ça. Compte fait en mon association association maladie contre l'endométriose que son plateforme que la pied pour mesdames yo capable entre yo communiquer supporter une l'autre et qui bat information tout sur maladie hein, qui capable aider mesdames yo tout au niveau financier capable dépister parce que on est courant super cher en Haïti donc pour capable jeune fond assez pour capable dépister dans clinique pour contre maladie hein. Endométriose c'est une maladie chronique et puis compliquée maladie ça a pas développé même gens qu'aille toute fille. Yon femme qui souffre d'endométriose souvent gen gros douleur elle gen règle l'elle nan relation sexuelle li kon gen difficulté pour pipi pour citer ça seulement 30 à 40% femmes qui fait maladie ça gen gros difficulté pour faire petite c'est l'enquête enquête association en France Cap Goumen contre endométriose te mené. L'autre information, Mairieville Bordeaux, pays la France, dévoilé vendredi 10 mai 2019 là, une statue en bronze qui représentait un esclave dans l'occasion commémoration abolition esclavage là. C'est un sculpteur haïtien Woodley Kaimit qui sortit dans Enot qui créait ça dans mémoire d'un esclave qui travaillait dans la colonie Saint-Domingue. À partir de la cérémonie ça, statue a installé sous place que Louis 18 là dans ville Bordeaux. Félicitations à Woodley Kaimit pour belles œuvres. L'autre information dans la fenêtre, l'Association nationale artistes haïtiens apparaît pour commémoration lundi 13 mai, 16 l'année la mort Ali Alvarez qui jouait Walt Gérald dans le feuilleton télévisé Les gens d'ici. Une cérémonie hommage a organisé dans l'occasion ça dans le local Alvarez Restaurant. Exposition tableau et esquilti, représentation théâtrale et spectacle danse, défilé à mode et projection film, c'est quelques parmi activités qui inscrit dans l'agenda. Ça, n'a pas invité à suivre. 13 mai qui était 2003 à 13 mai poil 2019, hein? Ça pourrait le fait qu'aucune chaîne comédien mettait en scène dramaturge ça qui relie Ali Alvarez ça. Témoui année ça nous pour le faire yon l'autre bagaille pour monsieur c'est un hommage n'a rendre monsieur qui méritait dans commémoration n'a pral gagner une projection grand pile monde qui patte vive époque Ali Alvarez nous connaît monsieur de participer dans feuilleton qui était passé sous les ondes de télévision nationale d'Haïti qui relait les gens d'ici côté nous gagne un extrait de les gens d'ici nous pour le passer et puis nous gagne de l'autre ami proche monsieur qui était conjoint ensemble avec lui qui pour le parler de lui et puis nous avons une exposition de peinture nous gagne ensemble de Kodak qui c'est comédien de arte qui gagne un sketch pour jouer nous gagne de l'autre 10 heures de l'autre monde qui pour venir dire texte qui pour venir faire de l'autre bagaille nous pour gagner danse et théâtre la fête dans Alvarez que tout le monde connaît ou capable passer c'est dans rue Jean-Paul II lié c'est ex top 50 ans et la fête lundi nous dit tout le monde à partir de 11h du matin ou a bien chance pour capable venir suivre exposition et puis à partir de 2h dans l'après-midi nous gagne les arts de la scène qui pour commencer ça veut dire spectacle pour commencer pour nous capable faire commémoration Anissa en l'autre façon pour Ali Alvarez et c'est sous information ça n'a prend deuxième pause nous on a retourné rester branché. Hey, pas ta voile. Oh, c'est Joël. Mes amis. Oh. C'est Joël. Où est ça qui vous reconnaît? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descend, monde campée, bye machine passée. Et pour apprendre à garder la lumière, on va traverser la rue. Où est-ce que ça arrive aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames, ça y est, ont l'habitude de marcher dans l'arrière avec téléphone, castant aux oreilles, chatter avec des amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes pensées un jour à ce mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences que ça a gagné sur la vie ou l'on choisit d'utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude, ça y est,
pendant qu'on utilise le téléphone. C'est un message, Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Axum Entertainment. Ou toujours sur Télévision Nationale d'Haïti, ou à suivre la dernière sortie fenêtre qu'il tire. Merci pour patience et fidélité. Une cérémonie hommage pour Bob Marley déroulée jeudi 9 mai sous l'initiative Havana Guitar Night. Plusieurs artistes et by performances dans l'occasion ça, parmi eux, Mirla, Israël, Kiko, True Rasta, pour ne citer ça seulement. Jeune chanteuse Mirla a interprété plusieurs musiques qui signent Bob Marley. Nous invitons à suivre. Beauté n'a pas le comité organisateur Miss Haïti yo lancé depuis quelques semaines casting pour postulant yo. Séance yo gen temps déroulé dans plusieurs villes dans pays a tant que Jacmel ak Okaï. Responsable yo annoncé équipe la apprendre li dans la Coubreda ak Villa Thérèse pour poursuivre ak opération casting là. Selon organisateur yo, postulant yo doit obéir à quelques critères tant que pour faut que yo gen nationalité haïtienne faut li yo gen entre 20 à 26 l'année faut que déjà fini l'école classique pour ne citer ça seulement. N'ap invite au suivre casting Miss Haïtien que nous lancer déjà depuis plusieurs semaines. Semaine dernière, nous t'es passé dans ville Jacmel avec ville Okaï côté que nous t'es fait casting pour plusieurs mesdames et semaine prochaine samedi ça cap 11 nous pour aller au cap et puis le 17 vendredi 17 dans Villa Thérèse Port-au-Prince pour dernier casting non. Automatiquement que casting n'a fin fait, n'a choisi donc une dizaine de jeunes filles qui pourraient suivre plusieurs formations dans la compétition côté que n'a préparé jusqu'à finalement qu'a fait en juillet côté que n'a couronné Miss Haïti qui pourra représenter Haïti dans Miss Univers année ça. Faut que de nationalité haïtienne, faut qu'on ait entre 20 et 26 ans. Faut ou gagne un passeport haïtien qui valide ou du moins ou gagne capacité pour joindre passeport ça ou répondre à tous les critères pour gagner passeport là. Faut ou nan niveau d'études universitaires ou bien au travail ou bien ou nan l'école professionnelle donc faut ou fini toute études classique ou et faut ou né de sexe féminin. Si on a besoin de plus en plus d'informations, il est capable toujours aller dans le numéro ça qui c'est 38 08 81 41 ou bien écrire nous dans misshaiti@gmail.com ou bien tout il est capable monter sur une page réseaux sociaux nous misshaiti@org, il est capable poser toutes questions que il veut et n'a pas plaisir pour nous répondre. Avant d'aller qui t'en rappeler quelques titres nous t'ai partager avec vous. Date 10 mai 2019 la marqué commémoration abolition esclavage dans ancienne colonie française yo. Pour occasion ça, yon sculpteur haïtien offri dans ville Bordeaux yon statue qui représentait yon esclave. Zèl sa installé sous place que Louis 18 dans cadre yon cérémonie qui déroulait vendredi 10 mai. On met ensemble contre maladie endométriose c'est en baptême ça et un gros rassemblement programmé pour samedi 11 mai dans Pétionville. Activité ça a fait sous initiative ancienne Miss Vidéo Max là Sylvie Jean dans objectif pour sensibiliser femmes haïtiennes sur danger maladie ça représenté dans la vie. Séance casting pour postulant concours Miss Haïti yo qui tombe depuis quelques semaines après poursuivre dans tout pays. Après Okaï et Jacmel, opération pral dérouler dans plusieurs autres villes dans pays tant que Port-au-Prince et Cap Haïtien. Et voilà, amis téléspectateurs, nous te prenons pile plaisir pour te entrer la caillou. Restez branchés Télévision Nationale d'Haïti pour plus d'informations et distractions. Bon week-end tout le monde.